Donc, chers collègues, chers amis, chers résidents, tout d'abord, on souhaite la bienvenue à nos invités de la chirurgie vasculaire du CNMS et à leur tête, notre ami Benziad Anourdine. Bien sûr, le docteur Fourali, qui est maintenant un habitué, un ami. Notre expert en vasculaire va aujourd'hui nous présenter une communication intéressante et j'espère qu'elle sera très utile pour vous. Et à la fin, il y aura un débat avec notre ami donc chirurgien vasculaire Nordine Benziada. Et on aura aussi avec nous Debiash, notre ami chirurgien cardiaque Mohamed Debiash, qui est un peu en retard. Donc, sans plus tarder, Mohamed, je te donne la parole et pour présenter, on posera les questions et la discussion à la fin. Merci. D'accord, mais alors on va sans trop tarder, on va aller en vif des sujets. Ça va, le son il est bon. C'est bon, le son est bon, tu peux y Voilà, aller. très bien, donc je vais descendre. Voilà, donc l'intitulé de cet exposé aujourd'hui, c'est de parler donc de recommandations concernant les anévrismes de l'aorte abdominale et j'ai également deux cas cliniques réels, des cas cliniques qui sont passés donc chez nous à Alger et on va essayer donc de les inclure dans cet exposé. Donc sans plus tarder, donc comment définir un anévrisme de l'aorte abdominale? Donc on définit maintenant l'anévrisme, c'est par l'imagerie, c'est l'imagerie qui nous permet de dire qu'il y a un anévrisme ou non, donc que ce soit par les ultrasons, c'est l'examen le plus utilisé, bien entendu, et bien entendu, on a également le scanner. Alors, définition, dans l'ethnie européenne, dans le monde occidental, si vous voulez, en Europe, on définit un anévrisme quand le diamètre est égal à ou supérieur à 3 cm. Donc, que ce soit quand on mesure l'anévrisme dans l'antéro-postérieur, dans le plan antéro-postérieur, ou bien dans le plan transverse. Alors, pour certaines populations asiatiques, le seuil serait probablement moins important, moins que ça. Donc, reste à définir. On peut le définir également en dehors de la mensuration. C'est tout simplement un anévrisme est considéré, une aorte est considérée comme anévrismale si son diamètre est supérieur de plus de 50% celui du diamètre de l'aorte suprarénale. Alors, quand on parle d'un anévrisme de l'aorte abdominale, ça veut dire que généralement c'est un anévrisme souvent dégénératif et qui siège en sous-rénale. On ne va pas parler des anévrismes thoraco-abdominales avec extension au niveau de l'aorte abdominale, comme c'est le cas du type 3, du type 4 de Baquet. Donc, on va parler du dépistage. Donc, à qui s'adresse le dépistage? Donc, une question. Alors, un dépistage systématique est indiqué selon les recommandations chez la femme de plus de 65 ans, chez l'homme de plus de 65 ans, chez l'homme et la femme de plus de 65 ans, la femme tabagique de plus de 60 ans, ou bien une absence d'indication de dépistage chez la femme. Donc, on va répondre rapidement selon les recommandations. Donc, vous avez les recommandations européennes. Donc, qui s'adresse à tous les hommes, donc uniquement, qui ont un âge de plus de 65 ans. La recommandation est de 1 et le niveau de preuve 1. Pour les sociétés américaines, nous avons l'USPSTF, c'est la Preventive Service Task Force. Pour cette association, si vous voulez, pour cette société savante, les dépistages intéresseraient essentiellement les hommes, uniquement les hommes qui sont fumeurs dans la tranche d'âge entre 65 et 75 ans. Les recommandations de la Société de chirurgie vasculaire américaine prennent en considération également les femmes, à condition qu'il y ait, bien entendu, une notion de tabac pour la tranche d'âge de 65 et 75 ans. La même société propose des critères supplémentaires, c'est de prendre les hommes ou les femmes
qui ont une relation parentale de premier degré quand ils ont un âge de 65 ans. Et bien sûr, tous les hommes et toutes les femmes qui sont fumeurs de plus de 75 ans. Alors, voici à qui s'adresse en général le dépistage. Est-ce qu'en prenant en considération ces critères, on arrive à dépister tout le monde? Eh bien, vous avez un article qui est récent, qui est publié dans le journal de Basque l'Orfèvrerie de décembre 2020. Alors, on voit qu'il y a une population qui est fumeuse et qui est moins de 65 ans. Il y a une autre population qui n'est pas fumeuse, qui a 70 ans. Eh bien, cette population-là qui est représentée ici, par exemple, ça c'est des patients qui ont été opérés soit par la procédure EVAR ou bien par la procédure chirurgie ouverte. Alors, c'est en rouge, c'est cette population-là, elle représente quand même une population assez significative. On voit très bien que le dépistage, on devrait probablement à l'avenir élargir aux patients qui ont 65 ans. Alors, la conclusion de cet article, eh bien, les patients qui sont fumeurs de 65 ans et les patients qui ne sont pas fumeurs, qui ont plus de 70 ans, donc ils ne sont pas concernés par les critères de dépistage massif, eh bien, ils ont un risque de rupture double. Un autre mot pour le dépistage également, c'est qu'il faut savoir le dépistage de façon générale. En Angleterre, par exemple, le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale, c'est un dépistage qui a un meilleur rapport coût sur le plan économique, rapport qualité-prix. Eh bien, et c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons une vie sauvée par an en dépensant pratiquement 1 100 $, ce qui est beaucoup plus intéressant que beaucoup plus économique. Que celui du cancer du sein, du cancer du col utérin, du cancer colorectal. Donc, on revient rapidement ça, c'est les recommandations européennes. C'est pour les Européens, c'est tous les hommes, plus de 65 ans, qu'ils soient tabagiques ou non. Nous sommes cardiologues, ce qui est intéressant, c'est de faire une échographie cardiaque en même temps, une évaluation de l'aorte abdominale chez tous les patients qui ont 65 ans et plus. Là, vous avez une classe de recommandation 2AB. Donc, c'est intéressant pour nous, cardiologues, d'inclure dans le compte rendu d'échographie cardiaque, peut-être, puisqu'on le fait pour la veine cave, pourquoi pas, le diamètre de l'aorte abdominale. Eh bien, voilà, on revient. Alors, ça prendrait combien de temps? Eh bien, ça ne prend pas beaucoup. On voit les auteurs qui ont utilisé justement, ils ont essayé de savoir combien de temps prendrait une évaluation de l'aorte abdominale quand on fait une échographie cardiaque. Eh bien, c'est pour certains, ça, même pas 1 minute, 33 minutes, secondes, 1 à 5 minutes, moins de 5 minutes. Donc, on peut très bien faire ça et vous avez un succès pratiquement supérieur à 90%. Alors, quelle est la fréquence d'un anévrisme dans la population générale, de façon générale, de plus de 65 ans? Alors là, 3%, 5%, 8%, 10%, ben on peut répondre selon les grands essais concernant le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale, que ce soit en Angleterre, en Danemark, en Angleterre, en Australie. Ben le pourcentage à peu près chez les sujets, si on prend les critères de plus de 65 ans, ça aussi entre 4 et 7% à peu près. Alors, en Algérie, bon, je pense qu'on n'a pas de grandes études de population. Ce serait peut-être intéressant, justement, qu'on commence à faire. Ben, justement, j'invite les cardiologues, en faisant une échographie de l'aorte, d'essayer donc d'avoir quelle est réellement la fréquence en Algérie. Alors, pour ma part, j'ai essayé de faire une étude sur 10 ans. Donc, on a pratiqué 1846 échos Doppler des artères des membres inférieurs. Vous savez très bien que l'étude de l'aorte est systématique quand on fait ce type d'examen. Alors, on a essayé donc d'inclure l'âge d'inclusion à un âge qui est, selon les recommandations, de supérieur ou égal à 65 ans, comme c'est
C'est le cas ici, donc, et surtout, donc, de poser le diagnostic d'un anévrisme à chaque fois que le diamètre est égal ou supérieur à 30 mm. Alors, nous avons fait, pas dire, nous avons exclu les patients qui avaient, bien entendu, un anévrisme qui était déjà connu, les patients qui ont été opérés d'une chirurgie aortocue d'une endoprothèse, et bien sûr, nous avons exclu les dilatations aortiques en rapport avec une dissection, une artériopathie inflammatoire notamment, pour retenir que les anévrismes dégénératifs. Alors voilà, nous avons retenu 831 patients. Donc on voit que l'âge moyen est de l'ordre de 74 ans. Et ben, le nombre d'anévrismes de l'aorte qui est diagnostiqué, c'est de 22%. Ça représente quand même 2,6%. C'est quand même relativement plus bas que dans la population occidentale. Alors tous les patients qui ont été diagnostiqués, ces 22 patients, tous ce sont des hommes, donc 100% de sexe masculin. On ne va pas s'attarder, donc la localisation était au niveau de l'aorte, mais certains patients, 17% de patients avaient une extension iliaque. Donc nous avons pu diagnostiquer pratiquement deux patients qui étaient pratiquement presque au stade chirurgical. Alors, ces patients dont presque plus de 50% de cas, ils avaient une artériopathie, que ce soit à l'étage aorto-iliaque, fémur poplité ou des lésions jambières, quand ils avaient plus de deux atteintes artérielles. Alors, si on va essayer de cibler la population maintenant, si on va prendre les patients qui ont plus de 65 ans et une artériopathie, est-ce qu'on aura une fréquence cardiaque plus élevée? Eh bien non, on a remarqué que si on prend en cible cette population, on a découvert 12 anévrismes de l'aorte sur une population d'artérite. Donc, il ne semble pas que l'athérosclérose soit l'origine, bien entendu, de l'anévrisme. C'est plutôt un facteur favorisant. Alors, après l'épidémiologie, après le screening, le dépistage, comment on mesure le diamètre d'un anévrisme de l'aorte? Alors, on va bien sûr parler des recommandations. Alors, comment réaliser la mesure du calibre? Bien entendu, il faut que la mesure soit perpendiculaire à l'axe de l'aorte. Donc, il faudra qu'on voit très bien l'axe de l'aorte. Il faut qu'on prenne la mesure. Selon les calipers, est-ce qu'il faut les positionner du bord externe au bord externe? En anglais, c'est outer-outer. En positionnant les calipers du bord interne au bord interne, c'est inner-inner. Ou bien en positionnant les calipers du bord d'attaque au bord d'attaque, outer-inner. Alors, la réponse est la suivante. C'est tout simplement, la mesure doit être faite selon des recommandations assez fortes, un A, outer-outer. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement prendre la première interface et la dernière interface. C'est outer-outer, ça correspond à cette mesure-là. Si on prend au bord d'attaque, c'est leading edge, et vous avez l'intime inner-inner, c'est interne-interne. Donc, les recommandations, c'est de prendre l'anévrisme en la partie la plus externe, en antérieure, à la partie la plus profonde. Donc, ça correspond à cette mesure. Alors, il faut se méfier de ne pas prendre directement le diamètre antérieur quand vous avez une angulation de l'aorte abdominale. Normalement, si l'aorte était pratiquement rectiligne, c'est-à-dire de bas en haut, on n'aura pas un déplacement de la paroi aortique comme ça. Vous avez ici le corps vertébral. Alors là, si on prend une mesure antéro-postérieure alors que l'aorte est pratiquement présente une courbure, on a tendance à surestimer le diamètre. Donc, c'est exactement ça. Donc, ici, on n'a pas tenu compte du grand axe. Vous avez une surestimation du calibre de l'anévrisme. Par contre, ici, on voit très bien l'axe de l'aorte abdominale et on prend le bord antérieur ou le bord postérieur. Vous avez le véritable diamètre, c'est 31 mm. Donc, les recommandations européennes, c'est de prendre bien la même chose, donc le diamètre antéro-postérieur, qui est considéré comme étant meilleur, bien sûr, que le diamètre sagittal. Voilà, plutôt le diamètre transverse, pardon. Alors, ici, l'échographie permet justement de localiser pas aussi bien que le scanner, bien entendu,
le pôle supérieur de l'anévrisme. Ici, vous avez les deux artères antérieures qui naissent au niveau de l'aorte abdominale, qui sont le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Vous avez ici le pôle supérieur de l'anévrisme. Il s'agit d'un anévrisme pratiquement juxta-rénal. Également, on peut à l'échographie déterminer s'il y a une extension au niveau des artères iliaques, comme c'est le cas ici, vous avez l'artère iliaque commune, droite, et vous avez la gauche ici, donc le patient-là ne présente pas d'extension iliaque. Bien entendu, c'est le scanner qui permet de donner des renseignements plus précis. Ici, vous avez une extension au niveau de l'artère iliaque commune droite. Alors, une fois que vous m'avez fait un diagnostic d'anévrisme de l'aorte, bien entendu, il faut toujours rechercher une autre localisation, notamment fémorale et poplitée, comme c'est le cas chez ce patient-là qui avait donc un anévrisme partiellement thrombosé. Vous avez ici, au niveau de l'artère fémorale commune, il y a une augmentation du calibre du diamètre de l'anévrisme fémorale et l'artère fémorale commune qui est anévrismale. Donc, les recommandations, quand on a un anévrisme de l'aorte, il faut évaluer l'aorte en entier pour rechercher toujours, bien sûr, qu'il n'y a pas une localisation au niveau de l'aorte thoracique et surtout au niveau des artères périphériques à l'étage fémoral et poplité. Donc, en général, il y a une excellente corrélation entre les ultrasons et l'imagerie percutanée, comme dans cytométrie. Il faut savoir que jusque l'échographie a tendance à sous-estimer de 1-2 mm par rapport aux mesures scanographiques. Donc le 3D, le scanner 3D permet donc de mieux évaluer la position justement qui permet de faire le sizing des anévrismes en utilisant cette technique et surtout donc de mettre en évidence la hauteur du collet par rapport aux artères rénales et surtout voir s'il n'y a pas une extension au niveau des artères iliaques communes. Alors, est-ce que le dépistage réduit la qualité de vie des patients? C'est vrai qu'un patient qui est tout à fait sain, on lui fait un dépistage systématique, vous lui dites, vous avez un anévrisme, est-ce que ça ne va pas perturber sa vie? Alors, effectivement, ça a été rapporté dans la littérature qu'effectivement, on a tendance ici, vous avez des tests qui permettent d'évaluer la qualité de vie chez des patients, effectivement, quand on fait un dépistage dans une population qui est en bleu, qui a un anévrisme de l'aorte, on a tendance que la qualité de vie sur le plan mental va diminuer, mais au bout d'une année, ça reprend par rapport à la population normale. Alors, il y a des facteurs, quels sont parmi ces traitements ou facteurs, celui ou ceux qui ralentiraient la progression de l'anévrisme de l'aorte? Est-ce que les bêta-bloquants, comme c'est le cas des anévrismes de l'aorte, ralentiraient la progression des anévrismes de l'aorte abdominale? Est-ce que le traitement, ça a été rapporté dans la littérature, la doxycycline notamment, ralentirait la progression des anévrismes? Les USC, les ARA2, les statines, l'activité physique, l'arrêt du tabac ou bien aucune de ces propositions. Alors, selon les données de la littérature, on va répondre premièrement les bêta-bloquants. Premièrement, les statines n'ont pas démontré que ralentirait la progression du diamètre des anévrismes, de même que la doxycycline, les USC ou les ARA2. Donc, il n'y a pas d'intérêt à administrer les bêta-bloquants pour le seul but de réduire l'expansion ou la rupture des anévrismes. Par contre, bien entendu, puisqu'il y a des patients qui sont à risque, il y a une indication à émettre, bien entendu, sous traitement par statine, par IEC éventuellement. Donc, ce qui est sûr maintenant, c'est que le tabac, le fait d'arrêter le tabac, ça permet de réduire donc la progression, l'évolution de l'anévrisme de l'aorte. Alors, il y a un article qui est récent, qui est sorti il y a 6 mois, dans l'American Journal of Medicine, c'est que l'activité physique modérée permet de ralentir l'évolution d'un anévrisme, tout simplement parce qu'elle a un effet sur les MPP3, c'est les métalloprotéases qui ont un effet pro-inflammatoire au niveau de la coque anévrismale. Donc, l'activité physique, un entraînement physique modéré, semble réduire la taille de l'anévrisme.
Alors, les recommandations, donc, il n'y a pas d'intérêt à donner des bêta-bloquants dans la période préopératoire. Par contre, les statines, ce sont des recommandations européennes, seraient intéressantes à condition de les donner 4 semaines avant la chirurgie pour réduire la morbidité cardiovasculaire. Alors, existe-t-il des restrictions dans la vie courante d'un patient qui entre un anévrisme de l'aorte? Est-ce qu'il y a des choses interdites? Ben, qu'on dit Parodi, qui est un chirurgien, c'est le premier à mettre une endoprothèse aortique dans les années, début années 90. Ben, on vous dit que plus de 90% du temps, les patients qui ont un anévrisme peuvent faire autant que les patients qui n'ont pas d'anévrisme. Il n'y a pas de restriction dans la vie quotidienne de tous les jours. Seulement, bien entendu, il n'y a pas. Il faut éviter, bien sûr, les traumatismes, notamment de certains sports. Donc, en général, ils se comportent, doivent se comporter presque normalement dans la vie. Alors, une fois qu'on a diagnostiqué un anévrisme de l'aorte abdominale, quelle est la périodicité de l'examen ultrasonographique? Alors, selon les recommandations, si vous avez un patient qui a moins de 4 millimètres, enfin, moins de 4 cm, pardon, de diamètre, les recommandations, c'est de faire l'examen tous les 3 ans. Si le patient a un diamètre entre 40 et 44 mm, c'est tous les 2 ans. Par contre, dès que ça rapproche les 45 mm, c'est un patient qu'il faut voir plus fréquemment, éventuellement chaque année. Alors qu'on vous montre un exemple ici, c'est un patient qui avait un anévrisme de 60 mm, il y avait une indication opératoire chez lui, il n'a pas voulu se faire opérer. Ben, on le voit après, au bout de 2 ans, donc on voit qu'il augmente, ça fait le diamètre antéro-postérieur, donc à hauteur, celle-là. Et vous avez 64 mm, une augmentation significative donc, du calibre de l'anévrisme. Alors, quand est-ce qu'il y a une indication opératoire? Donc, les indications opératoires, selon les recommandations actuelles, c'est à chaque fois que l'anévrisme ait un diamètre de 55 mm. Donc, c'est le plus retenu. Ou bien, et des fois, c'est difficile à mettre en évidence, si le diamètre augmente d'un centimètre par an. Donc, ça, c'est les recommandations actuelles, c'est 55 mm, le diamètre antéro-postérieur, ou bien. Donc, généralement, c'est des données, des mesures scanographiques. Voilà. Alors, chez la femme, peut-être qu'on va l'opérer à un diamètre moins que ça, probablement 50 mm. Pourquoi? Parce qu'une rupture d'anévrisme chez la femme, premièrement, elle est plus grave que chez l'homme, et surtout, l'anévrisme de l'aorte a plus de tendance à se rompre que celui de l'homme. Alors, quels sont justement ces facteurs de risque de rupture? Alors, la rupture, on en a parlé, c'est le sexe féminin. Le diamètre, dès qu'il dépasse 6 cm, c'est un anévrisme qui est à risque. L'expansion, on en a parlé actuellement, c'est 1 cm par an. Les patients qui ont une bronchopneumopathie obstructive et qui sont éventuellement sous stéroïdes, parce que ça fragilise la paroi de l'anévrisme, chez les patients qui ont une histoire familiale justement d'anévrisme, éventuellement de rupture, l'hypertension artérielle, la forme de l'anévrisme avec un patient a une forme saculaire, il y a plus de risques de rupture, de stress pariétal. Et par contre, nous avons une association négative entre la croissance de l'anévrisme et le diabète. On n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Donc ici, c'est la distribution du stress pariétal. Donc on voit pour chaque couleur, nous avons le stress pariétal qui est évalué en newtons par centimètre carré. Donc ici, vous avez les plus importants à ce niveau-là. Quand la couleur il est plus bleu, il est moins important. Donc ça, c'est des données qui sont scanographiques. Alors, vous avez ici un anévrisme qui est un peu différent. Il est saculaire. Vous avez ici l'anévrisme, juste à côté, vous avez une expansion. Donc, ça, c'est des anévrismes un peu particuliers qui sont prédisposés à la rupture. Donc, situation particulière, donc gestion du sténose carotidienne asymptomatique et anévrisme de l'aorte. Il n'y a pas intérêt à rechercher une sténose
carotidienne chez un patient qui doit être opéré d'un anévrisme, il n'y a pas d'indication à faire une chirurgie carotidienne chez le patient asymptomatique. Si vous avez une stenose carotidienne même serrée, asymptomatique, et le patient a un anévrisme de l'aorte, eh bien, il faut opérer l'anévrisme et ne pas s'occuper de cette stenose carotidienne. Pour les lésions coronaires, tant que le patient est stable, il n'y a pas d'indication. Donc, par contre, si le patient a un syndrome coronarien, donc il a un syndrome coronarien instable, c'est-à-dire un syndrome coronaire aigu, qui a des lésions à risque, pour la chirurgie prophylactique de l'anévrisme doit être accompagnée d'une revascularisation. Alors, sur le plan imagerie, y a-t-il un diagnostic différentiel de l'anévrisme de l'aorte? Bon. Alors, voilà, donc vous voyez, c'est un patient qui a une aorte, ça c'est l'artère mésentérique supérieure. Hein. Quand on voit la lumière, il est ici, mais tout autour, vous avez ici une augmentation donc, du volume de l'aorte. Ça c'est une coupe petit axe, et ça c'est le corps vertébral. Et là, vous avez un groupe grand axe, et ça c'est la naissance de l'artère mésentérique supérieure. Là, vous avez une coque fibreuse, une inflammation. Donc ça, c'est pas un anévrisme de l'aorte. Pourquoi? Parce que le calibre de la lumière n'est pas augmenté. Par contre, ce qui est augmenté, c'est vous avez une hypertrophie de la paroi. Ça, c'est une fibrose rétropéritoniale. Donc, il ne faut pas confondre avec l'anévrisme de l'aorte. Alors, vous avez ici ce patient qui a une augmentation donc, de volume de la paroi de l'aorte. C'est les iliaques communes. Alors, quand on met un traitement, ça réduit complètement. Donc, c'est l'équivalent, c'est un petit peu d'anévrisme inflammatoire. C'est la fibrose rétropéritoniale qui s'améliore sous traitement médical. Donc, ce n'est pas du tout un anévrisme. On a eu à le savoir parce que nous avons fait déjà des fautes diagnostiques il y a plus de 20 ans, quand il était plus jeune. Alors, les complications d'un anévrisme, vous les connaissez, c'est la rupture. Alors, la rupture, ça peut être contenu dans l'espace rétropéritoneal. Dans ce cas-là, on peut avoir des ruptures. On peut avoir un patient qui se plaint de douleurs lombaires sans qu'il y ait une rupture dans le... Si vous voulez, il peut avoir une rupture, mais qui est contenue par l'espace rétropéritoneal. On va vous donner un exemple. Par contre, si la rupture se fait dans un tube digestif, dans un organe creux, eh bien, ça, c'est le choc hémorragique. Le malade a toutes les chances de ne pas arriver à l'hôpital, les deux mourir. Il a été décrit des ruptures dans la veine cave inférieure, notamment dans ça donne des fistules à débit élevé. En plus de la rupture, vous avez également donc, des complications emboliques et l'ischémie. Souvent, on n'arrive pas à l'ischémie aiguë, mais c'est des complications des emboliques de cholestérol, des complications de emboliques dans la petite circulation des petites artères. Alors voilà, je vais vous citer justement un patient qui avait des douleurs lombaires. Vous voyez ici, regardez bien. Ça, c'est l'anévrisme de l'aorte en coupe petit axe. Vous avez un battement ici. Vous allez comprendre la physiopathologie. Alors là, vous avez la vertèbre. Alors, cette vertèbre-là, elle est pratiquement érodée. Eh bien, pour comprendre le mécanisme, vous avez un martelage. Alors, si le malade, si ce patient fait sa fréquence cardiaque est de 70 battements par minute, en 24 heures, vous avez 100 000 battements. 100 000 battements, alors qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir que pratiquement le corps vertébral est pratiquement détruit par la rupture anévrismale qui s'est faite dans l'espace rétro-péritonéal. Alors voilà, c'est décrit dans la littérature également, donc vous avez pratiquement une destruction du corps vertébral qu'on voit bien ici par la vue opératoire. Ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des ruptures contenues dans le rétropéritoine. Et vous avez également, bon, là, c'est un autre exemple, une aorte abdominale en œil de bœuf. Alors, vous voyez, moi je n'ai pas fait le diagnostic, hein, j'ai suspecté. Alors, c'est un patient qui m'est arrivé donc, en 2009. Alors, on voit ici son aorte et vous avez ici tout autour, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, moi, j'appelais ça un œil de bœuf. Alors, vous voyez bien, ici, c'est le thrombus tout autour. Et là, vous avez ici un sac qui entoure pratiquement en halo, comme un œil de bœuf, et là, vous avez la veine cave inférieure. Alors, quel est votre diagnostic? Alors, rapidement, vous voyez, ça, ce n'est pas son scanner, ça, je l'ai pris de la littérature, vous allez voir. Alors, pour moi, probablement, il s'agit d'une rupture dans la veine cave inférieure. C'est vraiment, c'est des images qui sont très similaires. Eh bien, ça a été publié dans le journal de chirurgie vasculaire, endovasculaire, eh bien, c'est pratiquement presque la même chose. D'ailleurs, on parle ça, l'œil de bœuf de l'aorte abdominale.
Alors, rapidement, le cas clinique. Alors, il s'agit d'un patient de 65 ans, c'est un cas réel, hein, tabagique, diabète négatif, traité par hypertension et statine. Donc, bilan biologique normal. Donc, c'est un patient qui a fait une endocardite bactérienne suite à une chirurgie biliaire. Et cette endocardite, donc, on a opéré ce patient, donc remplacement valvulaire aortique, voilà, parce qu'une endocardite aortique. Et au décours de l'examen échographique cardiaque, il a été découvert, bien entendu, donc ici, un anévrisme de l'aorte abdominale assez contient. Donc, ce patient a une notion d'anévrisme de l'aorte chez deux cousines, semble-t-il. Alors, voilà, ça coupe l'anévrisme ici, vous avez le sang scanner. Et alors, à votre avis, laquelle des réponses est juste? Est-ce qu'on va opérer ce patient? On va soumettre à un suivi tous les 6 mois? Ou bien on va l'opérer d'un traitement endovasculaire, ou bien on va réaliser bon, un scanner. Donc, rapidement, si vous maintenez, bon, on va l'opérer, bon, parce que c'est ce qui a été fait. Donc, ce patient-là a subi une intervention. Alors, d'après vous, est-ce qu'on va le faire opérer par un traitement endovasculaire ou bien une chirurgie ouverte? Alors, on va répondre. Alors, quelles sont les recommandations? Bah, recommandations pour la chirurgie endovasculaire, à chaque fois que l'anatomie est favorable, c'est-à-dire qu'il a un bon collet et que l'espérance de vie est favorable, est longue, eh ben, on préfère la chirurgie. Par contre, c'est presque la même chose. Alors, les chirurgiens, alors 2AB, 2AB. Alors, on vous dit, si vous avez un patient qui a une longue espérance de vie, eh bien, la chirurgie abdominale est meilleure. Ben, bien sûr, la seule différence, c'est que quand vous avez une espérance de vie qui est limitée, il ne faut pas opérer le patient. Donc, alors, ce qui s'est passé pour le patient, alors pour vous parler rapidement, est-ce que la chirurgie par voie endovasculaire, bon, une question, vous avez choisi le traitement endovasculaire, bon, ce qui a été fait pour ce patient, par rapport à la chirurgie conventionnelle ouverte. Pourquoi? Parce que la mortalité périopératoire en cas, bon, alors EVAR, c'est le traitement endovasculaire est réduite. La mortalité périopératoire et à long terme sont toutes les deux réduites. Le taux de réintervention est plus important qu'à des chirurgies ouvertes conventionnelles et où la chirurgie ouverte est moins économique que l'EVAR. Donc, on va essayer de répondre selon les données de la littérature, ben, on va voir. Alors, vous voyez que c'est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'il y a la survie périopératoire, elle est meilleure. Mais malheureusement, ce bénéfice se perd à long terme, c'est-à-dire au bout de 2 ans, les deux courbes se rejoignent. Donc, que ce soit dans l'étude EVAR 1 que dans l'étude DREAM, vous avez la survie. La survie précoce a été pratiquement, le bénéfice de la survie physique a été pratiquement perdu au bout de la première année. Pour l'étude OVER, c'est la même chose. Elle ne démontre pas une meilleure qualité de vie de l'EVAR. Elle ne démontre pas, alors il n'y a pas du tout de différence en matière de réintervention. En plus, ce n'est pas du tout économique. Pour l'étude H française, la même chose, il n'y a pas de différence, que ce soit au long terme ou bien même dans la période périopératoire. Donc, sur le plan de bénéfice de la survie à long terme, il n'y a pas de bénéfice. Alors, donc la mortalité périopératoire est réduite dans l'EVAR, mais pas à long terme. Donc, pour avoir choisi le traitement par EVAR, le risque opératoire par rapport à la chirurgie conventionnelle est-il plus bas chez notre patient? Alors, c'est-à-dire, peut-être qu'on préfère le faire opérer, bon, il est porteur d'une prothèse cardiaque. Peut-être qu'on préfère l'EVAR, tout simplement. Pourquoi? Parce que le risque opératoire serait plus bas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de recommandation? Alors, vous avez ici un score. Alors, le score de mortalité après traitement endovasculaire, après traitement chirurgical endovasculaire. Alors, si le patient va être traité par l'EVAR, vous avez déjà à 0 point. Par contre, si vous le faites opérer par la chirurgie ouverte, vous mettez 2 points. Ici, l'anévrisme chez notre patient était moins de 65, donc on lui donne 0 point. Son âge, il est à 65 ans, enfin, il a moins de 65, donc il a 0. Sexe, chez la femme, le score est le plus important. S'il était une femme, on mettait 1 point. Donc, chez l'homme, c'est 0, parce qu'il y a plus de risque chez la femme.
Alors, les comorbidités qui sont importantes, c'est surtout la maladie du myocarde, c'est-à-dire la dysfonction ventriculaire gauche, ce n'est pas le cachexpansation, la maladie cérébrovasculaire, pas d'AVC, donc, et surtout la bronchopneumopathie obstructive, qui a deux points. Donc, il n'y a pas de points à mettre chez notre patient. La créatinine est importante, il a une créatinine de moins de 15, donc on a mis 0 point. Alors, s'il était opéré par EVAR, il aurait 0 point. S'il était opéré par chirurgie, il aurait 2 points. Donc, dans tous les cas, ce patient-là est considéré à avoir un risque bas. Donc, je n'avais pas sur le plan réanimation, sur le plan risque opératoire, il rejoint le groupe des patients à bas risque. Donc, ce patient a été traité par une endoprothèse, donc avec un diamètre à 53 mm. Alors, le suivi, d'après les recommandations, vous allez proposer un suivi un mois après. Alors, réalisation d'un angioscanner un mois après EVAR qui ne montre pas d'anomalie. Alors, quelle serait l'attitude concernant le suivi? Est-ce qu'une fois que le patient a été opéré un mois après, quels sont les examens qu'on doit réaliser? Alors, angioscan écho Doppler tous les 6 mois jusqu'à 5 ans, angioscanner à 6 mois, 12 mois pour tous les ans, indication d'écho Doppler 3, 6, 12 mois. Alors, en l'absence d'augmentation de volume de l'anévrisme de mise en évidence de fuite après la première année, une surveillance par écho Doppler tous les 5 ans peut être proposée. Cliché radio standard à 6 et 12 mois, puis tous les ans. Bon. Alors, laquelle on va choisir? On va l'épuiser dans les données de la littérature. Alors, on vous dit que le meilleur examen de surveillance, c'est le scanner, que ce soit pour le TEVAR, c'est-à-dire le traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte thoracique ou bien des anévrismes de l'aorte abdominale. Alors, le scanner est indiqué au premier mois, à 6 mois et 12 mois. Maintenant, on peut l'évaluer avec des intervalles. Donc, pour les patients qui n'ont pas de problème, on peut prolonger le suivi. Donc, c'est le scanner. Alors, s'il n'y a pas d'endofuite et s'il n'y a pas une augmentation du diamètre de l'anévrisme, on peut proposer, après un an, un suivi uniquement par échodoppler tous les ans. Bien entendu, tous les 5 ans, il y a lieu de faire un scanner non injecté, c'est-à-dire on n'injecte pas de produit contraste. Donc, si ça se passe bien, après un an, échodoppler tous les ans, éventuellement tous les 5 ans, un scanner with non-contrastivity, sans injection de produits de contraste, donc classe de recommandation de A niveau de profil. Alors, rapidement, quels sont les différents types d'endofuite? Alors, voilà donc le traitement pour le traitement endovasculaire de l'EVAR de l'anévrisme. Donc, on met donc une culotte, donc le corps de la prothèse est ici, donc le collet. On attache la prothèse au niveau du collet, donc la partie proximale et la partie distale. Vous avez ici les jambages au niveau des artères iliaques. Donc, le but du traitement par traitement endovasculaire, c'est d'exclure le sac anévrismal et de le faire thromboser. Et dans un second temps, donc, par conséquent, on va avoir une réduction du diamètre de l'anévrisme. Donc, on doit dépressuriser la cavité abdominale. S'il y a une fuite au niveau des points d'attache, la fuite proximale au niveau du collet ou distale au niveau des jambages, c'est ce qu'on appelle les fuites de type 1. Alors, si elle est de type 1A, c'est-à-dire qu'elle est proximale, type 2B, c'est au niveau distal. Le type 2, ce sont des ondes de fuite qui alimentent le sac anévrismal, donc qui vont entraîner une pressurisation du sac et éventuellement augmenter, dans certains cas, le diamètre de l'anévrisme. Souvent, ce sont des collatérales de l'aorte abdominale. Souvent, c'est l'artère mésentérique inférieure ou même les artères lombaires. Le type 3, ce sont des fuites qui siègent au niveau de l'interconnexion des prothèses, notamment entre les jambages, par exemple ici, le corps. Le type 4 correspond à la porosité. Il y a une porosité anormale de la prothèse, mais pratiquement avec une nouvelle prothèse, il semblerait qu'elle n'existe beaucoup moins. Et l'endotension, c'est un mécanisme physiopathologique qu'on ne sait pas très bien pourquoi il est dû. Ce sont des patients qui gardent un anévrisme qui augmente de calibre sans qu'on puisse mettre en évidence une endofuite. Donc ici, le type 5 n'est pas tellement considéré par rapport aux autres types.
Alors, examen et surveillance des endoprothèses rapidement. Donc, vous avez un abdomen sans préparation, c'est pour voir l'armature de la prothèse, s'il n'y a pas une rupture, un détachement. Donc, ici, comme c'est le cas ici de cette prothèse au niveau de son attachement proximal, ou bien une rupture de cette prothèse, des éléments métalliques. L'écho-Doppler, c'est un bon examen, mais bien entendu, il faut qu'il soit couplé toujours au scanner. On peut faire de l'échographie de contraste. Alors, l'échographie de contraste augmente un petit peu la sensibilité, mais ne semble pas augmenter la spécificité. On peut très bien faire de l'échographie cardiaque, pardon, l'échographie Doppler, sans faire de contraste, qui est un peu plus clair. Alors, le suivi par ultrasons doit répondre les trois éléments principaux, c'est suivre le diamètre du sac anévrismal, recherche une endofuite et la perméabilité des jambages. Alors, quels sont les signes échodopplers en faveur de la présence d'une endofuite? Donc, si vous avez une augmentation de calibre, ce n'est pas normal. Donc, c'est la nécessité de connaître le diamètre préopératoire de l'anévrisme. C'est très important. Alors, rechercher s'il n'y a pas au niveau du sac anévrismal une zone qui peut paraître éventuellement hypoéchogène, qui est pulsatile notamment. Donc, la pulsatilité de l'endoprothèse c'est un élément qui est péjoratif. On ne doit pas avoir de pulsatilité au niveau du sac anévrismal de la prothèse. Et bien sûr, le Doppler, il permet d'évaluer le flux qui alimente le sac anévrismal par les collatérales. Donc, ici, je vais vous donner des exemples. Vous avez ici une coupe, petit axe ici, vous avez les deux jambages de la prothèse, et vous avez le sac anévrismal. On voit qu'ici, il n'y a pas de thrombus. Le sac anévrismal semble thrombosé, il n'y a pas d'endofuite. Vous avez ici une zone hypoéchogène qui apparaît chez ce patient-là, qui a pratiquement un sac anévrismal qui est thrombosé. Donc, il faut suivre justement quand vous avez des zones hypoéchogènes, voir s'il n'y a pas, donc qui vont s'obstruer ou non pour le temps. Alors, vous avez ici, c'est un patient qui a les deux jambages de l'endoprothèse, et ça, c'est franchement pathologique. Vous avez une pulsatilité et vous avez ici une zone qui est pulsatile, hypoéchogène, et généralement, c'est souvent, ce sont des endofuites. Donc, quand vous avez ça, pensez à une endofuite. Alors, à la couleur, on voit très bien qu'il y a, au niveau du sac anévrismal, il y a une fuite. Un autre patient, alors celui-là, il a tous les critères. Donc, vous avez non seulement une zone, il y a pratiquement du sang dans le sac anévrismal qui n'est pas thrombosé. Vous avez une hyperpulsatilité, vous avez une pulsatilité de la prothèse et vous avez bien entendu une augmentation de calibre de l'anévrisme, enfin, du moins, il ne diminue pas. Alors, l'endofuite, c'est par le Doppler couleur. Ici, vous voyez, c'est l'endofuite qui va alimenter le sac anévrismal. Alors, c'est très important quand on fait le scanner, c'est quand vous envoyez un patient qui a une endoprothèse, il faut surtout insister, c'est ça, il faut travailler avec des radiologues qui sont assidus, qui ont déjà l'expérience de surveillance de l'endofuite. Alors, si vous prenez, par exemple, vous injectez précocement, on ne verra rien ici au niveau du sac anévrismal. Par contre, si vous obtenez des temps tardifs, vous allez voir au niveau du sac anévrismal le produit de contraste qui va pénétrer ici. Et si on fait uniquement cette séquence, on passera à côté. Je vais vous montrer tout à l'heure justement un exemple. Alors, quelles sont les images, les explorations les plus fréquemment appliquées à la surveillance des anévrismes? C'est la radio, c'est l'échodoppler, échodoppler avec produit de contraste, le scanner sans injection et le scanner avec injection. Alors, le scanner, le problème, bien entendu, s'il y a une irradiation, si elle est très fréquente, notamment chez certains patients dont le suivi, c'est l'effet secondaire néfaste et surtout le produit de contraste, le risque de néphropathie. Alors, voilà la réponse juste. Alors, maintenant, on a simplifié. Alors, l'algorithme a été très simplifié. Alors, c'est très simple. Donc, au bout d'un mois, pratiquement une année, pardon, si vous n'avez pas d'endofuite, si vous avez un overlapping, c'est-à-dire, on va voir tout à l'heure, si vous avez un collet proximal et distal qui est supérieur à 10 mm, c'est l'endoprothèse, elle recouvre très bien le collet supérieur et inférieur. On peut dire que ce sont des patients qu'on peut d'emblée surveiller tous les 5 ans. Par contre, il y a un groupe qui est à haut risque, c'est quand on n'obtient pas, quand les patients ont une endofuite de type 1 ou bien une endofuite de type 3. Type 1, c'est au niveau
Donc, le colis principal est distal ou bien l'interconnexion de la prothèse. Alors, si ces endophytes, il faut les opérer, les emboliser, les prendre en charge. Et aussi, les patients qui ont un collet de moins de 10 mm. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, l'endoprothèse, à recouvrir, assurer une bonne étanchéité. Et là, ce sont des patients qui nécessitent, bien entendu, une reprise. Vous avez entre les deux, les risques intermédiaires. Ce sont des patients qui ont une endofuite, mais ce sont des patients qui ont une réduction du diamètre de l'anévrisme. Donc, si vous avez une fuite de type 2, on va voir, il faut la surveiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre le malade. Alors, voilà la surveillance simplifiée. C'est très simple. On n'attend pas une année. C'est 30 jours. Alors, 30 jours, on a le cil plus de 10 mm. Il n'y a pas d'endofuite. C'est surveillant. On a perdu le son, Mohamed. Le son. Il y a un problème. Vas-y. OK. Donc, voilà. Donc, on parlait. Donc, si nous avons, au bout de 30 jours, si nous avons une bonne attache de la prothèse par rapport à la paroi de plus de 10 mm, eh ben on fait une surveillance tous les 5 ans selon les recommandations. D'accord? Alors voilà, vous avez ici un patient qui a été donc qui avait un anévrisme qui a augmenté de diamètre. Alors, il a subi une intervention chirurgicale. Donc, on voit au bout de 25 mois une réduction de calibre. Donc, c'est un patient qui a thrombosé complètement le sac anévrismal. Alors, on revient chez notre patient rapidement. Alors, on a fait une échographie un an après. Alors, il a été opéré à 51. Là, il est à 56. Là, il a augmenté de calibre. Alors, voilà, on fait le contrôle du sac anévrismal et les jambages. Alors, on coupe petit axe. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà. Le sac anévrismal est-il exclu? Oui ou non? Donc là, on voit très bien qu'effectivement, il est exclu. Donc, c'est bon. Mais il faut surveiller le malade. Alors, 4 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? 4 mois plus tard, il y a quelque chose ici. Regardez ici, il y a une artère qui alimente le sac anévrismal. Et là, vous avez une pulsatilité, quelque chose d'anormal dans le sac. Alors, le Doppler, voilà, on fait un Doppler au niveau de l'artère, de cette artère-là. On avait un flux de va-et-vient, c'est typique d'une endofuite. Alors, quel est le type probable d'endofuite? Type 1, type 2, 3, 4. Bon, ça, c'est le type 2, bien entendu. Donc, c'est les stadies du type 2. Donc, vous avez une collatérale qui alimente le sac anévrismal. Quel est votre avis? Poursuite de la surveillance TDM à un mois, contrôle TDM 6 mois et code Doppler dans 6 mois. Alors, qu'est-ce que disent les recommandations? Ou bien, on fait une embolisation. Donc, là, on est ici. Donc, on fuite de type 2. Donc, il faut maintenant voir, est-ce que le diamètre a augmenté ou non? Donc, s'il y a le diamètre de l'anévrisme a diminué d'un centimètre, il faut surveiller écho Doppler et par le scanner. Par contre, s'il a atteint un centimètre, il faut intervenir. Donc voilà. Pardon. Donc, voilà. Donc, on vous dit que en cas de fuite, de fuite, si elle est observée au bout d'un mois, il faut surveiller par un scanner et un Doppler. Donc, quelle est la fréquence des endophytes de type 2 après EVA? 2, 10, 15, 30% peut persister jusqu'à 2 ans. Alors, voilà, effectivement, nous avons. Nous avons justement une fréquence jusqu'à 40%. Il peut persister jusqu'à 2 ans, mais ce n'est pas une raison pour les opérer, à condition qu'il n'y a pas d'augmentation du volume de chaque anévrisme. Donc, la réintervention du type 2, en cas d'endophyte de type 2, sauf s'il y a une augmentation significative du diamètre de l'anévrisme. Donc là, si nos patients présentent effectivement un diamètre de plus d'un centimètre, il faut intervenir. Alors, voilà la réponse, c'est 30% et ça peut persister jusqu'à 2 ans. Donc, l'intérêt justement d'une surveillance.
Alors voilà, on revoit le patient, il passe à 60 mm et on voit maintenant il y a une autre endophyte, donc une autre artère qui se draine, qui injecte le sac anévrisme. Alors voilà, on fait un scanner. Alors malheureusement chez nous, le scanner, on n'a pas l'habitude, donc ce n'était pas tout le monde qui s'est interprété les dangers au scanner. Bon, ils ont dit que c'était normal. Donc le chirurgien vasculaire m'a dit qu'il faut surveiller, il faut continuer la surveillance, c'est important, l'anévrisme va augmenter de calibre. Donc quel type d'endophyte et par quelle artère est alimenté le sac anévrismal? Donc il s'agit ici donc d'une artère lombaire. Hein. Voilà, on voit parce qu'elle est postérieure. L'artère mésentérique inférieure est née au niveau de la face antérieure, on l'avait vu tout à l'heure. Donc y a-t-il indication opératoire? Embolisation, repli chirurgical, indication rapprochée, enjeu scanner avec léchi tardif, bien sûr. Alors, c'est très important, il faut absolument obtenir, quand on fait un scanner, des temps tardifs. Parce que si on n'a pas de temps tardif, on ne peut pas évaluer la présence ou non d'une endophyte. Pensez-vous que la proposition de chirurgie ouverte constitue la meilleure option du fait de l'échec de l'embolisation? Oui ou non? Ben, on va le voir. Alors voilà, elle a été embolisée, hop, ça persiste. Voilà. Alors, contrôle. Post-embolisation, ben, vous voyez en fait il y a quelque chose d'anormal. Vous voyez ici c'est une place qui est un petit peu hypoéchogène, et ben ça c'est l'endophyte. Donc bien sûr selon les recommandations, on suggère quand on n'arrive pas donc à traiter une endophyte, il faut absolument surtout quand le sac anévrismal augmente, il faut absolument opérer le patient. Open repair, hein, c'était la chirurgie ouverte. Alors, ce patient-là n'a pas subi une chirurgie ouverte, malheureusement, ben, qu'il a subi, il est parti donc à l'étranger, ça fait une seconde embolisation en décembre 2018. Alors, malheureusement, ça ne tient pas. Deuxième embolisation, vous voyez qu'il y a toujours une endophyte. Donc, ça, c'est la paroi de la prothèse, et là, vous avez le sac anévrismal, et ça, vous avez une cavité. Et là, ce qui, vous voyez ici en hyperéchogène, cité ici, c'est le produit d'embolisation, c'est pour ça que c'est hyperéchogène. Alors, maintenez-vous l'option d'une reprise chirurgicale? Certainement oui. Alors, oui, alors il a été opéré, donc il a subi une endoprothèse, mais comme il avait. Alors, il avait un gros anévrisme, alors vous savez, quand l'anévrisme augmente de taille, l'endophyte de type 2, malheureusement, dans certains cas, elle se transforme en endophyte de type 1, parce que là, il y avait. Et donc, on a fait un attachement au niveau de l'aorte surrénale. Donc, on a fait une endoprothèse fenêtrée. Alors, l'endoprothèse fenêtrée, c'est quoi? Donc, c'est en plus de l'endoprothèse standard, on fait pénétrer donc, une endoprothèse par des trous. Ici, vous avez ici un emplacement donc, d'une prothèse rénale des deux côtés, à droite et à gauche. Donc, contrôle. Voilà, donc contrôle 6 mois après. Donc voilà, on voit très bien le sac anévrismal qui a donc réduit de calibre. Il était à 88 et là, quand on l'a recontrôlé, on est passé à 74. Et ici, vous avez le sac anévrismal, bien entendu, c'est une échographie standard, il n'y a pas de contraste. Alors vous voyez ici les flux au niveau de la prothèse et là, on ne voit pas, bien entendu, de flux. Donc il faut absolument diminuer le maximum la PRF, sinon ce sont des fuites qui sont. Baisse vélocité. Alors, est-ce qu'il est exclu? Oui, il est exclu. Peut-on rassurer le patient? On ne sait pas. Malheureusement, 6 mois après, vous voyez que le patient, il fait une très grosse endophyte ici. On voit très bien que ça fuit et que l'anévrisme n'a pas tellement réduit, n'est pas tellement réduit de calibre. Alors, le problème, voilà, vous avez la couleur, vous avez la prothèse, vous avez l'endophyte qui pratiquement. Qui alimente le sac anévrismal. Donc, malheureusement, on a fait un contrôle, alors il est à 95, donc il a augmenté de 21 mm par rapport au précédent examen. Alors, chez ce patient-là, une chose importante à signaler, comme c'est un porteur de prothèse, il avait une valve mécanique, donc tu es obligé de mettre le patient dans des anticoagulants. Alors, il avait tout le temps des INR qui fluctuaient, souvent supérieurs à 4. Alors, on se demande, est-ce que le fait d'avoir des INR très élevés et qu'il est sous traitement du coagulant ne participe pas justement à éviter la thrombose du sac anévrismal? Alors, dans la littérature,
Bon, avant de répondre à cette question, on vous pose la question. Quel serait le risque de rupture chez ce patient? Ah non. Donc, on revient rapidement. Il a quand même un aneurysme à 95. 95 mm de diamètre. Alors, quel est le risque de rupture à une année? Ah non. Alors, la rupture, elle est pratiquement, quand on atteint un anévrisme aussi important, vous avez pratiquement supérieur à 7, donc une année, vous avez pratiquement pas aux alentours de 40%. Donc ici, la même chose, vous avez 30-50%. 50% pratiquement de rupture. Alors, quel diagnostic on devait utiliser probablement associé parce que quand le sacanévrisme mâle augmente et ça permet de déstabiliser souvent la tache proximale et donc on passe vers une endofuite de type 1. Comme ça, c'est recommandé. Donc, les fuites de type 2, quand il y a un élargissement du sacanévrisme mâle, peuvent prédisposer au développement d'une fuite de type 1. Donc, à chaque fois que le sacanévrisme mâle augmente notamment de 13 mm ici, souvent, enfin souvent, ça peut évoluer vers une transformation de l'endofuite de type 2, enfin vers une transformation associée à une fuite de type 1. Pensez-vous que le traitement anticoagulant peut influencer l'absence d'occlusion du sacanévrisme mâle? Bon, nous avons ici dans la littérature un article qui dit que oui, les anticoagulants apparaissent avoir un effet sur le développement d'une endofuite et peut éventuellement favoriser donc les endofuites. Mais malheureusement, il y a d'autres articles qui contredisent tout à fait cela en disant que c'est très. Oui, Phil, nous pensons que la warfarine est tout à fait. Elle est sûre dans l'usage, dans le traitement de malades qui étaient opérés par EVA. Le problème, c'est que notre patient, c'est qu'il n'a pas été non seulement des anticoagulants, c'est qu'il avait des INR constamment très élevés. Peut-être que cela a fait que. Ça a favorisé peut-être l'absence de thrombose du sacanévrisme, on ne sait pas très bien. Donc, très résumé, on va vous résumer le patient, c'est vraiment une histoire. Donc, en 2004, 2014, donc, découverte d'un aneurysme de l'aorte au décours de la chirurgie valvulaire, donc chirurgie par EVA, endofuite iliolombaire mésentérique, embolisation, ça a été un échec. 2017, il a été reséché d'une tumeur maligne. Du rectangle, c'est pour ça que le diamètre, enfin, on n'a pas opéré le patient, donc le diamètre de l'anévrisme est passé à 73. On a proposé une deuxième embolisation de l'artère lombaire. Malheureusement, malgré ça, il persiste un endofuite avec un anévrisme qui atteint 88. Chirurgie en 2019 par endoprothèse fenêtrée. Là, on se trouve avec une endofuite toujours importante avec un très très gros sacanévrisme mâle. Bien entendu, ce patient-là est à très haut risque de rupture, il faut absolument le faire opérer. Je termine rapidement une histoire dramatique, justement, d'une rupture. Je n'ai rien contre l'endovasculaire, mais ce sont des cas qui sont réels. Je pense qu'il faut avoir un esprit, qu'il faut une surveillance chez ces patients-là. Donc, c'est un patient de 63 ans qui a été adressé pour un bilan et qu'on doppler d'une maladie coronaire. Et quand on a fait, donc, c'est un patient qui a subi auparavant un EVAR pour un anévrisme de l'aorte abdominale à l'étranger. Donc, le contrôle post-opératoire, malheureusement, n'a pas été fait. Et le patient a été admis en urgence en chirurgie vasculaire, plus exactement chez nos amis au CNMS, pour rupture d'anévrisme de l'aorte. Alors, ce patient-là, je l'ai vu, j'ai fait un écho Doppler, je vous montre le compte rendu. Gros sacanévrisme mâle au rapport probablement avec une endophyte de type 1 par défaut d'amarrage. Alors, j'ai insisté pour qu'il fasse un scanner parce qu'il ne voulait pas du tout. Pour lui, il a été opéré à l'étranger, donc c'est réglé. Alors, on a insisté pour téléphoner, pour faire un scanner. Donc, voilà le contrôle de ce patient, c'est qu'il avait des endoprothèses. Alors, les endoprothèses, ne couvrait pas l'anévrisme. Donc, normalement, l'endoprothèse doit couvrir complètement les anévrismes iliaques. Alors là, on a suspecté une endophyte de type 1, une endophyte à partir donc, du col type 1B. Alors, voilà, donc, après insistance auprès du malade, alors il a fait un scanner. Mais le problème, c'est que le scanner, conclusion, était normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas été fait des temps tardifs, pardon.
Alors, le problème, on a beau insister à lui dire, écoutez, monsieur, il faut faire des temps tardifs, refus catégorique. Alors, à chaque fois qu'on lui téléphone, lui, il ne veut plus répondre à l'examen, au téléphone. Et bien, malheureusement, il a été admis en chirurgie vasculaire au CNRS et le patient est décédé. Voilà, donc, ce patient-là, elle a fait probablement un type 1B et c'est ce qui a été à l'origine de la rupture de son anévrisme. Alors maintenant, on va parler, il reste 1 minute, complications tardives de la chirurgie ouverte, ça existe bien sûr. Alors la complication la plus fréquente, c'est les anévrismes anastomotiques. Hein. Vous avez les occlusions des jambages, les hernies, ce n'est pas un problème. Les fistules, c'est rare. Donc ici, on voit un patient qui a un anévrisme ici au niveau de l'anastomose. Donc voilà, donc, un hématome tout autour donc, du jambage de la prothèse. Donc, justement, ça a été opéré par le professeur Benzietta. Donc, voilà, ici, il y a un hématome tout autour qui est alimenté par l'anévrisme, qui est donc rupture de l'anastomose. Donc, vous voyez ici au Doppler, vous avez la prothèse, vous avez l'anévrisme qui est là, et vous avez au scanner, bien entendu, ici, vous avez la prothèse, vous avez ici l'anévrisme qui est pratiquement au niveau de la paroi antérieure, donc l'anastomose. Ici, vous avez la vie opératoire. Donc, ici, donc, le malade il a été opéré. Donc, ça a été réglé. Alors, un mot sur la prise en charge de la rupture de l'anévrisme de l'aorte. Alors, la rupture de l'aorte, dans même les pays développés, on peut ne pas reconnaître le diagnostic d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. Donc, vous avez ici un article qui est très récent, juillet 2020. Et quand on fait pas le diagnostic, et ben ça fait augmenter la mortalité. Normalement, ça doit passer autour de 62%, ben ça augmente de plus de 10%. Donc, il faut absolument donc, que ces patients-là soient bien diagnostiqués. Alors, normalement, c'est comme les stémies, je pense que c'est 30-30-30. Si vous avez une rupture d'un anévrisme de l'aorte, il faut mettre 30 minutes pour placer une voie, assurer une bonne circulation. Et surtout, je pense que la chose la plus importante, c'est que le patient ne soit pas perfusé pour éviter, il faut éviter une hémodilution. Il faut que les patients qui ont une rupture d'anévrisme, il faut maintenir une tension artérielle entre 70 et 80. Ce n'est pas comme les autres patients. Méfiez-vous, il faut éviter l'hémodilution. Donc, il faut dans 30 minutes, il faut les transférer dans une structure où qui permettent, voilà, tout ce qu'on appelle la permissive hypotension, c'est-à-dire l'hypotension d'hémostase. L'hypotension d'hémostase, c'est quand vous gardez une tension entre 70 et 90, parce que si vous augmentez ou perfusez, vous allez augmenter la pression, et donc on aggrave l'hémodilution, on aggrave donc l'ischémie. Donc 30 minutes, et ben la 30 minutes, c'est la structure qui va recevoir le patient pour la chirurgie définitive. Donc 30, 30, 30. Donc là, je pense que chez nous, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je rappelle ça, c'est comme le STEMI, door to intervention. Il doit être moins de 90 minutes. Voilà, donc, ce qu'on appelle la recommandation de l'hémostase hypotensive, de maintenir une tension basse. Voilà, donc j'ai terminé. Take home message, donc dépistage sujet âgé tabagique. Recherchez toujours une autre localisation que aortique, fémorale, poplitée. Suivez échographique des petits anévrismes inférieurs à 50 mm. Tout anévrisme connu, douloureux et suspect de rupture. Les surveillances en long cours après EVAR, nous avons eu des exemples, et implication peut-être justement des cardiologues dans le suivi de l'endoprothèse. Donc j'ai terminé, donc voilà, il faut oublier, ne pas oublier que Einstein a été. Il a eu une rupture d'anévrisme. Donc, la première, c'était une fissuration. Elle a été opérée par la technique de couverture par de la cellophane parce qu'à l'époque, ça a entraîné une inflammation. Et malheureusement, 5 ans après, il a fait une grosse rupture et il est décédé. Donc, je vous remercie. Donc, c'est terminé. Merci. Merci, docteur Fourali, pour cette présentation très pratique et didactique. Donc, j'aimerais encore une fois remercier nos amis chirurgiens qui sont là, à qui je vais donner la parole, les docteurs Benziada et Debiège. Et pour ceux qui veulent poser des questions, après l'intervention de nos amis chirurgiens, il faut lever la main. Donc, vous avez la possibilité avec Zoom de lever la main et on vous donnera la parole. Donc, à toi, docteur Benziada, si tu veux intervenir
Et puis après, notre ami de Biache, le professeur de Biache. Tfaddal, chez Nourdine. Tfaddal. Je ne sais pas si elle est avec nous. Benazala, marhaba. Benazala, la vidéo tag. Benazala, notre ami Benazala, bonjour. Tfaddal, si Benziada. Tfaddal. Vous m'écoutez, ça y Oui, est? on Oui, t'entend bien. oui. Tfaddal. Je remercie Fourali pour cette présentation qui est très détaillée quand même et très significative sur le plan information, sur le plan épidémiologique, même sur le plan traitement. Alors, on a sur le plan chirurgie, Mohamed a dit que quand il s'agit de carotide, il ne faut même pas faire l'écho Doppler. Nous, en chirurgie vasculaire, on fait systématiquement les échos Doppler des carotides. Oui, c'est vrai. Carotide unique, asymptomatique, on peut la négliger. Mais quand il y a deux carotides sténosées avec des artères vertébrales uniques, parfois malades, là, il faut réfléchir 20 fois avant d'opérer cette anévrisme. Enfin, en dehors des urgences. Tu as dit aussi que c'est des malades fumeurs. On sait que c'est dans les anévrismes plutôt, même s'ils sont dysplasiques. On les appelle dysplasiques, mais ils sont athéromateux en fin de compte. Et dans les anévrismes, c'est là où il y a beaucoup de problèmes coronaires, contrairement aux thromboses de l'aorte ou bien des artéropathies des membres inférieurs. Donc il faut toujours chercher les lésions coronaires dans les anévrismes de l'aorte abdominale. Les gens se trompent. Les gens se trompent parce qu'ils pensent que dans les anévrismes, il y a moins de lésions coronaires que les artéropathies ou les thromboses de l'aorte. Non, c'est dans les anévrismes où il y a beaucoup de lésions coronaires. Il faut les chercher. Donc la coro est systématique, Nordin, la coro. Non, cliniquement, enfin, il faut les chercher. Est-ce que la coro est systématique? Non, 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 non. Je n'ai Non, pas hein? dit que la coro est systématique. Ah bon, vous Chez les opérez son jeunes. coro, tu opères son coro à un malade. Non, on opère, on fait l'écho, on fait la scintille, on fait peut-être l'épreuve d'effort au maximum. S'il y a des suspicions de coronaire, là, on fait la coro. Surtout chez les jeunes. OK? Sinon, on ne fait pas de coro systématique. C'est un examen invasif. On ne le fait pas. Le CG, la scintigraphie, l'échocardio, dans l'ensemble, ça suffit. S'il y a un doute, on passe aux autres examens invasifs. Et s'il y a des lésions coronaires, il faut commencer par les lésions coronaires. Pourquoi? Parce que quand on opère un anévrisme, ce n'est pas comme une thrombose d'aorte. C'est une aorte qui est perméable. On sera obligé de clamper. Et c'est en pérop que vont se passer des problèmes de clampage et de déclampage. Vous faites une CSC partielle, Norten, une CSC partielle, fémoro-fémorale ou là? Non, on ne fait pas de CEC. Ouellou, hein? Pas de CEC, hein? Jamais, il ne faut pas faire ce que tu vas. Qu'est-ce que tu vas Très vasculariser? bien, très bien. Bon, ici, je Non, vais. non, c'est pour donner des détails aux jeunes et aux vieux. Oui. Alors, c'est vrai. Donc, il ne faut pas nuancer. Quand on parle, justement, Fourali l'a précisé, mais il n'a pas bien précisé. Quand on parle d'anévrisme de l'aorte abdominale, non, il ne faut pas dire aorte abdominale. Sous-rénal. Il faut toujours dire surrénal. Parce que l'aorte abdominale, ça commence au niveau des nerfs. Ça prend le transiliaque et la mésentérique inférieure, juste en dessous du diaphragme. Et même à ce niveau, il peut y avoir une artère très, très importante. C'est l'artère spinale. C'est l'artère d'Encke-Davis. OK? Donc, on parle des anévrismes surrénaux. Si tu vas faire une CEC, pourquoi? Pour les membres inférieurs, ça ne sert à rien. Dans le type 4, effectivement, dans l'aorte abdominale, l'aorte cœliaque, là, on a besoin peut-être CEC pour vasculariser la CEC partielle, pour vasculariser, quand on clampe l'aorte thoracique, les artères rénales et les artères digestives, surtout les artères rénales. OK? Regardez le premier. Et attends, j'ai pris ici. Bon. Mohamed, tu as dit que les anévrismes, ce n'est pas des anévrismes de l'athérosclérose, c'est dysplasie. Mais on voit ça souvent chez des malades Dégénératif, pas dysplasique. dégénératifs. Mais généralement, c'est des gens fumeurs. Tous, la plupart. Des malades jeunes. Tu as dit que c'est des malades fumeurs. Souvent, il y a. Deuxièmement, il y a le problème du traitement médical. Tu as parlé des statines.
Les statines, je ne vois pas l'intérêt de ces statines. Au contraire, tout le monde que maintenant est contraire. Hein, enfin, ils sont contre ces traitements parce que apparemment, ils ne servent à rien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça diminue la fibrine? Elle augmente, je ne sais pas. La comorbidité, Indication. Quoi? c'est pour Hein? la comorbidité associée. Et ça, la comorbidité, sur quoi? Tu vas protéger les reins? C'est faux. Tu vas protéger les carotides, c'est faux. Tu vas protéger les coronaires, c'est faux. Je ne sais pas à quoi ça sert, ces statines. Au contraire, ça donne des douleurs des membres inférieurs, ça donne beaucoup de problèmes. Maladies musculaires et tout. Et bon, je termine ici. Enfin, en ce qui concerne le traitement chirurgical, c'est-à-dire, il faut surveiller. C'est effectivement. En chirurgie, il y a des problèmes. Post-opératoire, il y a des infections de prothèse, il y a des fistules digestives. Il y a les ischémies digestives post-opératoires immédiates. Bon, elles ne sont pas décrites dans l'endovasculaire, mais apparemment, ça peut exister. Parce que c'est le même principe. On va exclure peut-être des artères mésentériques, des lombaires, mésentériques inférieures. Ça peut donner des problèmes ischémiques coliques, surtout chez des personnes âgées, et d'autant plus que l'endovasculaire est réservé, en principe, théoriquement, pour des malades à risque, des malades âgés, donc ils sont très très fragiles sur le plan vasculaire. Donc ce genre de malade peut faire, comme la vasculaire, des ischémies du colis. Mais ce n'est pas mentionné dans la littérature, malheureusement. En vasculaire, ce qu'on lit sur l'endovasculaire, c'est tout va bien, sauf les endophytes. Mais on entend rarement des problèmes post-opératoires, enfin immédiatement, après le traitement endovasculaire. Voilà, je laisse. Bon, enfin, j'ai fait quelques trucs. Si Mohamed peut répondre à ces questions, tant mieux. Et sinon, les autres qui vont poser des questions sur le plan chirurgical, on est là pour répondre. OK, Mohamed. Merci, merci Nortin. Dbiash Mohamed, si tu veux intervenir. Et ceux qui veulent intervenir, lève la main. Professeur Dbiash, si tu veux intervenir. Je ne sais pas si tu es encore avec nous. Je suis avec vous. Yallah, yallah, si tu veux dire un mot avant qu'on ouvre. Masal al-khair alaykoum. Tout d'abord, on présente nos condoléances à notre ami Mzrak qui a perdu sa maman hier. Deuxièmement, on va revenir à notre question. Je commence par remercier Monsieur Four Ali Mohamed sur cette présentation excellente qui remet les choses dans leur contexte. J'aimerais bien, moi j'avais fait une petite formation chez Monsieur Fabiani avant sur les endovasculaires, les endoprothèses, les anévrismes. Et j'ai des notions, je ne sais pas s'ils sont toujours d'actualité ou pas. Comme nous disait Monsieur Fabiani, avant son maître Dubost, il définissait ces anévrismes comme des tumeurs vasculaires. Alhamdoulilah, actuellement, on arrive à placer, à régler ces problèmes par des endoprothèses. Comme vous savez, donc, des endoprothèses, c'est une révolution dans l'approche du traitement de ces anévrismes. Mais il y a toujours des incertitudes et il faut prendre en considération les indications. Il faut savoir quel type de malade qu'on doit traiter, qu'on doit donner. Pour l'endoprothèse et qu'on doit opérer. Moi, je demanderai la première question. J'ai les notions de 15 mm du collet supérieur. Est-ce que c'est toujours la même distance? Parce que là, j'ai vu à 10 mm. Et ces 10 mm, ça pose problème de l'ancrage et des fuites type Deuxièmement, est-ce que on juge la procédure d'endoprothèse par l'absence d'endofuite ou la taille de l'anévrisme en post-procédure. C'est-à-dire, est-ce que quand on n'a pas de fuite d'endofuite, on dit oh, succès de la procédure, c'est bon, c'est bien traité, ou bien c'est la taille de l'anévrisme du sac qui reste, qui donne ce succès à la procédure. J'ai une autre question à M. Kourali.
c'est le devenir des colis proximaux. Avant, on disait qu'il y a 20% de ces malades-là augmentent leur colis proximal. Maintenant, pour les incertitudes des patients à traiter, est-ce que l'espérance de vie des patients, quand elle est moins de 2 ans, il faut quand même faire un geste ou non? Et comme dernière question, quels sont les bons candidats à la chirurgie? Voilà. Allô? Docteur de Biesch, merci beaucoup. D'ailleurs, j'avais donné l'information pour la mère du docteur Mizak, je n'étais pas du tout au courant. Donc, je vais profiter rapidement de justement Alors, j'essaie de répondre. Donc, les 10 mm, ce n'est pas le collet, parce que peut-être assez une confusion de ce que je vous ai dit, parce que j'essaie de voir ce qui se dit en français. Alors, en anglais, il parle de seal ou bien overlapping. Overlapping et seal. Alors, c'est quoi ça? C'est le contact entre la prothèse et la paroi de l'anévrisme. Si nous avons une hauteur de plus de 10 mm, ce n'est pas le collet avant l'opération, hein, c'est différent. Moi, je parlais du collet, c'est-à-dire entre la prothèse et la paroi. S'il y a un bon accolement, il y a un bon déploiement, voilà le terme, c'est un bon déploiement de la prothèse par rapport à la paroi, c'est quoi un bon déploiement? C'est-à-dire qu'il y a un contact très étroit, il n'y a rien entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas une solution. Si ce déploiement-là, il y a un accolement de la prothèse vis-à-vis de la paroi qui se mesure sur le scanner de plus de 15 mm, de 10 mm, plus de 10, pourquoi au niveau proximal, au niveau distal, les recommandations disent qu'on peut simplifier, à partir du premier mois, de simplifier le suivi jusqu'à 5 ans, on fait tous les ans un écho Doppler et 5 ans, on fait, parce que quand on fait l'écho Doppler, déjà, on prend le diamètre de l'anévrisme. Donc, généralement, l'anévrisme, soit il diminue, soit il est stable, mais il n'augmente pas. Au bout de 5 ans, on fait un scanner non injecté et entre la première et 5 ans, on fait l'écho Doppler. Donc, concernant les indications des endoprothèses, bon, moi, je ne suis pas chirurgien endoprothèse, donc il y a des choses que je ne vais pas vous répondre, mais on peut même faire des endoprothèses sur des anévrismes qui n'ont pas de collet. On peut même faire comme le patient, il a fait une endoprothèse fenestrée, il peut même faire des endoprothèses chez les patients qui ont des anévrismes juxtarénaux. Donc, maintenant, il n'y a plus de limite pour l'endovasculaire. Et ça, vous pouvez le savoir. Par contre, il n'y a pas de limite, mais ça entraîne une augmentation de fuite. Donc, les meilleurs candidats, c'est un collet, comme vous dites, plus de 15 mm en sous-rénal. Ah, ça, c'est la première question. Donc, juste peut-être, je me suis mal exprimé concernant le collet post-opératoire. C'est de vous dire qu'il y a le cil, c'est-à-dire un accolement de la paroi de plus de 10 mm. Maintenant, pour la taille, comment il faut surveiller? La chose la plus importante, c'est la taille. Si la taille n'augmente pas, c'est bon. L'endofuite, c'est un problème. L'endofuite, que ce soit, je ne parle pas des endofuites de type 1, les endofuites de type 2, 3, c'est d'emblée qu'il faut intervenir, soit par une embolisation, soit généralement par embolisation. Donc, on travaille sur l'embolisation. Par contre, on a dit que les endofuites de type 2, ça représente jusqu'à 40%, mais ça ne présente pas de problème. Il faut les surveiller. Tant qu'il n'y a pas d'augmentation de calibre de l'anévrisme, il faut les surveiller. Le problème, c'est quand vous avez une endofuite avec une augmentation de calibre de l'anévrisme, là, oui. Si, il ne faut pas que ça soit gros, dès que ça commence, si la paroi de l'anévrisme, on a vu que si la paroi de l'anévrisme augmente de plus de 13 mm, on peut transformer... On peut aller vers l'endofuite de type 1. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie proximale de l'endoprothèse, elle peut même se transformer en fuite de type 1. Donc, dès que ça commence à augmenter, il faut intervenir soit une endoprothèse, sinon il faut opérer. Bourahla veut poser une question. Bourahla, vas-y. Oui. Bourahla. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci, Dr Fourali, pour votre présentation. Bonjour, bonjour.
Je voulais savoir justement quel est le rôle des anticoagulants et des anti-agrégants plaquettaires dans le traitement déjà que vous pouvez donner avant donc, la mise en place d'endoprothèses ou après. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, en cas d'association anévrisme, donc des coronaires et anévrisme de l'aorte abdominale, quelle est votre attitude et si vous devez agir sur si les dimensions s'y prêtent? Donc sur quel axe vous allez commencer? Est-ce que vous allez choisir plutôt la chirurgie ou bien l'endoprothèse? Donc quelle est votre attitude de là-dessus? Et si vous ou quelqu'un d'autre qui fait ou qui s'intéresse à ce type de pathologie, je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir un mot sur la technique, les deux techniques EVAR et la technique Chevar? Merci. Merci. Alors, dans les patients qui ont été opérés par la technique EVAR, il n'y a pas de contre-indication concernant le traitement anticoagulant. D'accord? Il y a un article qui a été publié, je vous ai montré qu'effectivement, mais c'était pratiquement le seul article que j'ai trouvé dans la littérature, que les anticoagulants empêchaient chaque anévrisme de se thromboser. Mais ça a été démenti par d'autres articles et qui disent que bon, les anticoagulants, la warfarine n'entraîne pas d'endofuite. Donc, il n'y a pas, selon les guidelines, il n'y a pas de contre-indication de l'usage des anticoagulants après EVA. Pas de problème. Concernant quand on a, alors le problème des coronariens qui ont un anévrisme de l'aorte abdominale et qui sont des coronariennes, moi je vous dis pas, c'est pas moi, je vois les guidelines. Les guidelines disent que chez le patient qui est instable, ils vous disent instable, il faut faire une revascularisation, mais ils ne détaillent pas. C'est sûr que chez le malade, si le patient elle a une ischémie documentée, c'est sûr qu'il faudra commencer par le cœur. Je vous ai montré une diapo que vous dites qu'il faut commencer par le cœur. Rebasculer le myocarde, après, il faut faire un traitement chirurgical ou l'endovasculaire. Alors, voilà, pour le TEVAR, je ne sais pas, pas compris. Peut-être la surveillance est la même, c'est toujours le scanner. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. S'il y a d'autres questions dans l'audience ou là, des interventions, nos amis chirurgiens vasculaires qui sont avec nous, s'ils veulent intervenir, ou professeur Aït Mokhtar qui s'intéresse aussi à l'endovasculaire, si tu veux dire un mot. Je voudrais juste revenir sur l'histoire des coronaires et l'intervention. Donc, on voit qu'ailleurs, il y a beaucoup d'endovasculaires parce que c'est des patients effectivement qui sont souvent coronariens, qui sont multitarés. Donc, il y a beaucoup d'indications à l'EVAR. Par contre, commencer par les coronaires avant la chirurgie, c'est pas très, c'est pas si évident que ça. Hein. Quand on regarde la littérature, on peut faire éventuellement un test d'ischémie avec une indication qui n'est pas assez forte. Je parle du patient stable, bien sûr. C'est une indication classe 2B, donc relativement faible, et qui n'a pas, en fait, de conséquences sur la suite. C'est juste pour évaluer le risque chirurgical. Parce que les études n'ont pas montré que revasculariser un patient avant une chirurgie de l'aorte abdominale apporter quoi que ce soit en termes de pronostic. Donc, c'est des patients qu'il faudrait mettre sous statine avant la chirurgie. Bon, le débat des bêta-bloquants, si le patient était déjà sous bêta-bloquant, il faut le laisser. Il ne faut pas utiliser de bêta-bloquant par voie intraveineuse, on le sait, parce que ça aggrave le pronostic en péri-opératoire. C'était l'étude POISE qui a montré ça. Il faudrait peut-être les laisser sous bêta-bloquant par voie féroce et c'est tout, mais faire un bilan cardiaque assez poussé avec des coronarographies s'il y a de l'ischémie, je pense pas que ça devrait être systématique. Voilà.
Ah, c'est tout à fait, je pense qu'on partage tout à fait l'opinion du professeur Aït Mokhtar, c'est tout à fait ça. En dehors des patients instables, il ne faut pas aller plus que ça, c'est les recommandations. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la chance d'avoir notre expert en vasculaire. Nous avons des chirurgiens. Je m'adresse aux plus jeunes. Posez des questions. Ceux qui veulent poser des questions, lèvent la main. Mohamed, tu fais systématiquement, quand tu fais une écho cardiaque, tu recherches systématiquement l'anévrisme. Hein? Non. Non, hein? Non. Mais Mais est-ce que, d'après ce que tu as dit, ce qui est intéressant, à partir de 65 ans, ne faut-il pas qu'on change nos pratiques? Par exemple, oui. dans le service, ça serait bien que nos médecins recherchent systématiquement donc, un anévrisme dans le compte rendu. Justement, moi, je voudrais t'inviter de proposer une chose. C'est de faire chez tes patients qui ont 65 ans, tous les patients tabagiques ou non, de faire nous faire ressortir la fréquence des années. Parce que pour moi, je pense que nous avons pas beaucoup d'anévrisme comparé à Il y a eu un travail de l'Europe. Oui. thèse, hein? Il y a eu un travail de thèse Voilà. que nous avons C'est très simple. dirigé. Non, il y a eu un Ah. travail. Il y a eu de, ça a été déjà fait par Dr Boufarouk d'Ainaja. Il y a eu une thèse sur ça. Il y a un travail qui a été fait. Oui, mais combien de Il y patients, a un, c'est ça? je vais t'envoyer. Il y a même un papier qui est sorti. Je ne sais pas. Bon, Mais quelle est la fréquence, justement? cette thèse est assez ancienne. Elle date maintenant d'une dizaine d'années. Je vais la retrouver, oh, je ne me souviens plus des Mais moi, chiffres. ce qui m'intéresse, c'est la fréquence. Quelle est la fréquence de C'est l'anévrisme, ça. justement? Mais Ça m'intéresse. Pour ça, moi, ça. c'est. Vas-y, vas-y. Pour moi, on a une population où, apparemment, d'après mon avis, je m'engage que moi, nous avons une fréquence de l'ordre de 3%. Peut-être, hein, pour mon avis. Mais j'aimerais bien que vous essayez de dégager une prévalence en faisant des milliers d'échographies cardiaques. Ce n'est pas sur 300-400 malades qu'on peut dégager un chiffre. Mais si vous faites 5 000, 6 000, 20 000 malades, là, on aura un chiffre bien intéressant qui refléterait la réalité. Parce que c'est sur 300-400 patients, c'est pas suffisant pour donner. Benziada, tu veux dire un mot? Oui, Vas-y, vas-y. c'est très intéressant de faire peut-être une séance sur carotide et anévrisme ou l'artéropathie. Coronaire et anévrisme ou bien l'artéropathie, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, bon, là, les Algériens, on se réfère toujours aux recommandations internationales. Ce n'est pas le cas. Il faut être praticien. Il faut voir les malades qui sont en réanimation. Et vous allez voir un coronaire, un malade qui a des lésions coronaires, même stable, en post-opératoire, opéré par un anévrisme, ce n'est plus le même malade. C'est très difficile à gérer par les réanimateurs. Mais si on opère un malade, par exemple, un anévrisme, qui avait des lésions coronaires qui ont été détectées et qui a eu soit un stent ou bien il a été opéré de coronaire, on est tranquille. On n'a pas les problèmes de complications parce qu'un malade, ce n'est pas les coronaires simplement. Quand il y a des lésions coronaires sévères, même s'il est asymptomatique en pré-op, parce que c'est un malade qui ne court pas, mais quand tu vas l'opérer, tu vas voir. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un clampage, des clampages. Tu vas mettre en épreuve tes coronaires et c'est là où vont se poser des problèmes pour le réanimateur. Et juste en post-opératoire, ça commence tout, ça déclenche tous les problèmes. Et c'est pour ça qu'on les cherche. On doit chercher les coronaires. Bon, si on trouve des lésions non significatives, si on trouve une lésion de la droite, on peut la négliger. Mais si vous avez des lésions étendues qui nécessitent un traitement chirurgical, même si le malade est stable, je pense qu'il faut commencer par les coronaires. C'est comme ça qu'on améliore la survie des malades. Et ça, on l'a vu dans le service depuis 30 ans, 40 ans. Quand les malades ont des coronaires qui n'ont été négligés ou bien qui n'ont pas été cherchés, c'est des malades qui posent non seulement des problèmes où la mortalité est importante, Fourali le sait. C'est pour ça qu'il faut les chercher, il faut les opérer. Il ne faut pas se fier aux recommandations internationales où les lésions sont bien étiquetées, ils parlent, ce n'est pas bien précisé. Maintenant, on parle des lésions coronaires évidentes qui sont importantes, plusieurs lésions, même les malades, si c'est asymptomatique, il faut l'opérer.
parce qu'il va subir une intervention, il y a un clompage, des clompages, où le cœur va être mis en évidence. Et on va lui demander de s'activer, de travailler encore plus, et c'est là où se pose le problème. Je pense que pratiquement dans le service, en CNMS, quand il y a des lésions coronariennes, il faut leur faire un traitement, soit angioplastie, soit chirurgie. Il faut toujours commencer par ça, pour avoir de bons résultats. Sinon, on peut avoir de grandes complications en PROP et en PASP, et surtout les rêves. Malheureusement, on n'a pas de réanimateur avec nous. S'il y avait des réanimateurs, ils vont vous parler des complications coronaires et c'est très important. C'est le facteur de risque le plus important, peut-être après les lésions pulmonaires, dans la chirurgie aortique ou des analgésies. Voilà. S'il y a des questions. Jamal, تفضل. Bilal, tu as levé la main. تفضل. Merci beaucoup à Dr. Fourali. J'ai une petite remarque et aussi une question. Par rapport à la notre population, ces hommes âgés plus de 65 ans, généralement, c'est des gens obèses, surtout les coronariens, c'est des gens obèses. L'échogénicité abdominale, elle fait toujours défaut. Et avec la sonde de la phase de Ray, donc on ne peut pas bien apprécier l'aorte, surtout susrénale. Mais la surrénale, en appuyant, on peut dégager, on peut voir. Est-ce que vous avez des astuces ou là, on utilise carrément la sonde abdominale? Et merci beaucoup. Voilà, très bonne question. L'anévrisme de l'aorte en suche rénale, ce n'est pas la peine de l'avoir, ça ne nous intéresse pas, c'est vrai que c'est difficile de voir. L'obèse, c'est le problème de l'obèse, il y a une différence sur le plan éco-structure. Quelqu'un qui a des gaz, c'est plus difficile qu'un obèse. Et certains sujets qui sont maigres, des fois, c'est plus difficile que certains obèses. Alors, si vous avez un obèse, généralement, c'est des techniques d'examen. Vous le mettez en décubitus latéral gauche. Vous savez, le panicule adipeux va sauter du côté gauche ou droit. Eh bien, on passe, ce n'est pas en rétropéritoneal, mais vous passez derrière au niveau de la région lombaire et souvent, ça ne pose pas de problème. Je vous assure que les obèses, c'est sûr, c'est difficile de l'avoir par voie antérieure, mais vous faites une coupe sous costale, en décubitus. Souvent, on n'a pas de problème. Mais bien sûr, dans la littérature, il y a des gens que c'est vrai que des fois, c'est impossible. Si vous avez, ça représente des cas qui sont très, très rares. Alors, si ces malades-là, vous avez des problèmes, il faut les revoir quelques jours après. Vous leur faites un régime sans résulie, vous le reprenez. Mais c'est rare qu'on n'arrive vraiment pas à ne pas voir l'aorte. Alors, voilà les astuces. On peut utiliser la sonde cardiaque. Alors, des fois, la sonde cardiaque, elle est meilleure que convexe. Voilà. Pourquoi? Parce que la convexe, pour la faire pousser, quand on avait un obèse, c'est difficile. Vous avez la surface une surface qui est plus importante que la sonde cardiaque. La phase d'arrêt, c'est plus intéressant. On peut aller en profondeur. Il n'y a pas de problème. Vous mettez le patient. Il vaut mieux utiliser dans ce cas-là chez les obèses, vous utilisez une sonde cardiaque, phase d'arrêt. Vous mettez le patient du cubitus latéral. Si vous avez des problèmes, peut-être qu'il y a des gaz, n'hésitez pas à revoir le malade quelques jours après avec un régime sans résidus. Mais c'est vraiment rare. Professeur Dibias, tfadl. Allume ton micro, Mohamed. Vous m'entendez comme ça. Je voulais revenir. Oui, ça y est, c'est bon. C'est allumé. Hein? Oui, on t'entend. Allumé, hein? Moi, je voulais juste intervenir pour nos malades chez qui il y a une indication de faire un pontage. Donc, on fait systématiquement échodoppler des TSA et. Éco-doppler à la recherche de problèmes de l'aorte abdominale et des artères des membres inférieurs. Et on est supérieur, on a beaucoup de malades qui présentent des lésions des carotides, donc qui nous posent le problème dans la stratégie de traitement. Car des fois, on fait un séquentiel, des fois, on est obligé d'opérer les coronaires et puis par la suite les carotides. Et on a, par contre, on a
un peu moins de malades qui présentent des anévrismes. Mais il y a beaucoup de malades qui présentent des problèmes de carotide. Voilà. Très bien. C'est juste pour apporter un peu la chose. Non, si vous permettez, les recommandations actuelles et les recommandations qui vont venir, pas de dépistage des sténoses carotidiennes asymptomatiques. Et même si vous avez une sténose serrée bilatérale, vous n'avez pas de recommandation forte pour opérer le malade. Je pense qu'il ne faudra plus faire de Doppler supraortique avant chirurgie cardiaque. Sauf si le malade est asymptomatique. Je peux vous dire, il y a un Anglais qui est à Leicester, c'est le professeur Naylor, qui a remis tout en question concernant les dépistages des sténoses asymptomatiques. Il y a une revue qui vient de paraître, JAMA Neurologie, c'est ce mois-ci. On remet en cause la détection chez les patients asymptomatiques des sténoses carotidiennes. Moi, pour ma part, je pense que vraiment ça ne sert à rien de dépister des sténoses carotidiennes. Pourquoi ? Les complications, les AVC dans la période péri-opératoire, ce n'est pas des AVC d'origine hémodynamique. Ce sont des complications thromboemboliques. Les AVC post-opératoires en chirurgie cardiaque, c'est au cours du clampage-déclampage. Ce n'est pas en rapport avec le bas débit carotidien. Et ça, on le sait très bien. La chirurgie en corps battant, vous avez moins des AVC. Pourquoi ? Parce que vous ne clampez pas l'aorte thoracique. Moi, je pense qu'il faut réduire les explorations inutiles, membre inférieur, aorte abdominale, carotide. Et ça, si vous avez, c'est les recommandations. Malheureusement, il y a des patients qui font des bilans extensifs pour rien. Il faut le dire à la CNAS. Sauf les recommandations actuelles. Vous avez un anévrisme de l'aorte abdominale. Il ne faut pas faire de Doppler transaortique. Il ne faut pas faire des examens inutiles. Même les coronaires, il a bien dit, Dr Haït Mokhtar, vous voyez les recommandations, le patient qui a un syndrome coronaire aigu, ok, mais il ne faut pas voir sur 10 malades, sur 20 malades, il faut voir sur des populations de milliers de patients. Pourquoi on offre des explorations inutiles? Alors en plus, sans parler des images couleurs, je ne veux pas rentrer dans les détails, il faudra quand même essayer d'alléger ces patients-là. C'est dissuasif. Ils font ça. Chirurgie carotidienne prophylactique, ça n'existe plus en 2021. On sait très bien que même des sténoses carotidiennes asymptomatiques, il y a le polygone de Willis. Moi, j'ai des patients qui ont des thromboses, des deux carotides internes, qui ont une thrombose de la vertébrale, ils vivent très bien. Problème, ce n'est pas hémodynamique. Problème, c'est thromboembolique. La VC de la carotide, ce n'est pas hémodynamique. S'il est itch. Pourquoi une sténose carotidienne est à risque? Parce qu'elle envoie des emboles, ce n'est pas parce qu'elle réduit le débit. Moi, je fais le Doppler transcrânien, les malades qui ont des thromboses, des carotides internes bilatérales, ils ont une vitesse au niveau des artères cérébrales moyennes qui est normale. Pourquoi? Parce qu'elles sont supplantées par le polygone de Willis. Très bien. Une bonne mise au point, surtout quand on voit la liste des examens que demande la CNAS, par exemple, pour une coronarographie. Ils demandent même les membres inférieurs. Alors que le rôle de la CNAS, c'est tout à fait le contraire. C'est de diminuer les examens. De réduire le coût. Au lieu d'augmenter des examens inutiles, je pense que... Mais bon. Effectivement. Le docteur Amrouche veut intervenir. Amel, à toi la parole. Vas-y. Bonsoir, Monsieur Fourali. Bonsoir. Merci pour cette excellente présentation, comme toujours. Moi, je voulais juste vous poser une question par rapport à l'éco-Doppler. Quand vous faites l'échographie, vous faites le diagnostic des anévrismes de l'aorte abdominale, est-ce que ça entraîne des modifications sur les vitesses en aval? Est-ce que ça peut entraîner des répercussions ou des vitesses diminuées sur les artères des membres inférieurs? Voilà, c'était juste une question un peu pratique par rapport à l'éco-Doppler. Merci. Oui. Pas grand-chose. Vous avez peut-être des courbes un peu larges, c'est normal. Vous avez, parce que l'artère n'est pas compliante. Vous savez, plus un vaisseau n'est pas compliant, on a tendance à avoir des courbes qui sont un peu larges, un petit peu amorties, mais ça ne change pas tellement les courbes. Hein. Généralement, c'est presque normal. Même si vous avez un gros anévrisme, les artères,
les vélocités sont pratiquement normales, ça ne change pas tellement. Ma deuxième question, M. Fourali, par rapport aux anévrismes des artères des membres inférieurs à localisation iliaque ou fémorale ou poplitée, quelles sont les indications thérapeutiques? Est-ce que ces malades, on doit les laisser tranquilles? Faut-il intervenir? Alors, les anévrismes les plus dangereux, c'est les anévrismes poplités. Alors là, il ne faut pas attendre qu'il y ait un diamètre précis. Tout anévrisme doit être opéré. Les plus fréquents, c'est au niveau de l'artère poplitée. Il faut les opérer. Moi, j'ai eu des patients qui ont fait des ischémies aiguës. L'anévrisme de l'aorte ne s'est pas rompu. Par contre, les anévrismes poplités, quand ils se bouchent, vous pouvez, si le malade n'est pas pris en charge, il va être amputé. Donc, il faut bien rechercher, il faut remonter plus haut, au-dessus de l'artère poplitée, parce que des fois, ils sont à la jonction entre l'artère fémorale et l'artère poplitée. Donc, on peut les louper. Pourquoi? Que vous avez un quadriceps, le muscle. Donc, n'hésitez pas à changer de sonde. Mais généralement, moi, j'ai des patients, il y a un patient qui est jeune, qui a 48 ans, qui a un anévrisme de l'aorte abdominale. Il avait une ischémie des membres inférieurs. Donc, on pensait que l'ischémie des membres inférieurs était normale avec un thrombus qui était dans l'aorte. Mais en fin de compte, il avait deux artères poplitées. Ce n'est pas une artère poplitée piégée, non. C'est des doubles artères, c'est deux anévrismes, des artères poplitées thrombosées. Et c'était ça qui a entraîné l'ischémie des membres inférieurs. Donc, quand vous avez un anévrisme de l'aorte abdominale, cherchez toujours s'il n'y a pas un anévrisme de l'artère poplitée. Fémorale, c'est moins fréquent. Enfin, les iliaques, il y en a. Bon. Les indications thérapeutiques pour les iliaques maintenant, c'est les recommandations américaines qui sont sorties dans le journal Vascular Surgery, c'est 30 mm. Moins de 30, il ne faut pas opérer les anévrismes des artères iliaques. Les artères poplitées, il faut les opérer. Pour voir s'il y a un risque thrombotique, ça peut entraîner une ischémie. Merci, merci. Non. Vas-y, Omar. Omar, tu as levé la main, vas-y. Oui. Oui, j'ai une question. Est-ce que les anévrismes thrombosés évoluent moins vite que les non thrombosés, puisque en théorie, la contrainte pariétale est plus basse? La loi de la place. Oui, non, ça ne marche pas. C'est la même chose. C'est une très bonne question, parce qu'à un certain moment, on pensait que le thrombus protégeait, parce que la loi de la place, donc le diamètre diminue, donc les tensions pariétales sont diminuées. Le problème, c'est que l'aorte, c'est un organe vivant. Le problème, ce n'est pas le diamètre. Vous avez les MNP, voilà, les métalloprotéases, c'est des enzymes protéolytiques qui détruisent l'anévrisme, ce n'est pas le diamètre. Il y a l'inflammation qui est dangereuse, ce n'est pas tout le monde le diamètre. Il y a le côté hémodynamique, le côté physique, il y a aussi le côté métabolique physico-chimique. C'est ces protéines-là qui permettent d'entraîner des fissurations, c'est les protéines de l'inflammation, les métalloprotéases. Donc, pas du tout, le thrombus ne protège pas du tout d'une rupture. Okay. Mais souvent, les gens s'affolent quand ils trouvent un thrombus dans l'aorte. C'est tout à fait normal d'avoir un thrombus. D'ailleurs, j'ai essayé de chercher dans les recommandations, est-ce qu'on doit donner systématiquement de l'aspirine chez des patients qui ont... Alors, ça ne ressort pas dans les guidelines. Ok, très bien, merci. C'est très bien. Pour la cible tensionnelle, Mohamed, est-ce que ça change chez quelqu'un qui a un anévrisme? C'est vrai, l'hypertension, il faut la soigner. Non, mais est-ce que c'est comme l'anévrisme, par exemple, de l'aorte thoracique? Parfois, on exige non. Des... Les bêta-bloquants, il n'y a pas d'indication des anévrismes de l'aorte abdominale. Mais la cible tensionnelle n'est pas revue à la baisse, non? Non, dans les recommandations. Ils disent qu'il faut traiter le malade qui a un anévrisme de l'aorte abdominale, c'est un patient polyvasculaire, un patient à risque. C'est pour ça qu'on donne des statines, donc automatiquement. Ouais. Et quand on dit les bêta-bloquants, c'est le malade, c'est les coronariens, c'est normal qu'il faut donner les bêta-bloquants. Ça, c'est dans le Marfan. Les bêta-bloquants sont validés dans le Marfan. Voilà, dans les Marfan. Pas dans l'athérome. Non, pas dans... Alors, l'athérome, est-ce que l'anévrisme, c'est une complication de l'athérome? C'est pas sûr. C'est dans des patients qui ont des anomalies génétiques. C'est un problème de la musculature lisse. Parce que il y a des patients qui ont des anévrismes qui sont dans la famille, donc c'est génétique. Donc l'athérome, si vous voulez, c'est des facteurs favorisants. Ce n'est pas la cause directe, si vous voulez. Oui.
Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon, bon, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, eh ben, les participants, apparemment, il n'y a plus de questions. Tu as convaincu tout le monde, Mohamed. Moi, Merci. je me dis Merci. qu'il y a comme des recommandations, hein, c'est pas moi. Merci donc encore une fois pour cette excellente présentation qui a été très utile, très pratique. Et nous retenons surtout pour le service le fait de faire des échos Voilà. abdominales aux patients de plus de 65 ans. Et peut-être qu'on va lancer un travail dans ce sens, comme tu l'as si bien dit. Et on se retrouvera, nous avons la semaine prochaine, donc le mercredi prochain, dans un nouveau mythe. Et merci pour tout le monde et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum.